espèce de con. T'es vraiment rien qu'une merde. Putain de nom de Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour toucher une cloche pareille? Bah ouais, mais moi je t'aime. Mais je le sais, t'arrêtes pas de nous le suriner. Change de disque. Annonce-moi des bonnes nouvelles plutôt que tout le temps me parler de ton amour. Moi, ce que j'aimerais, c'est prendre un bain. Un bain dans une baignoire. Tu sais ce que c'est une baignoire? Quelque chose de creux, avec des robinets. Et quand tu tournes les robinets, il y a de l'eau chaude qui tombe. Puis il y a autre chose que j'aimerais. C'est changer de linge au moins une fois dans ma vie. J'en ai plein le cul de ressembler toujours à une serpillière. Moi, je te trouve très belle. Ta gueule. J'en ai plein le cul que tu me trouves belle. On croirait que plus je pue, plus tu m'aimes. Plus c'est la merde, et plus tu deviens romantique. Je suis sûre qu'en ce moment, t'as qu'une idée en tête. M'inviter à danser. C'est vrai. J'aimerais bien. Pauvre malade. Mais qu'est-ce que t'as dans les yeux? On est en train de se noyer et tu t'en aperçois même pas. On est en train de crever la bouche ouverte. Et lui, à quoi il pense? Danser? Oh, imbécile. Non, mais tu crois quand même pas que j'ai envie de danser avec un mec comme toi? T'es nul, inexistant. La seule chose que tu sais faire, c'est me dévorer du regard avec tes yeux de coquère. Il ne viendrait pas à l'idée de te décarcasser le cul 5 minutes pour nous sortir de cette mouscaille? Ça y est, t'as terminé? T'es sûr que t'as rien oublié? J'ai pas envie de finir clodo sur une grille de métro avec une bouteille de Kiravi pour lutter contre le froid et toi tu trouveras encore le moyen de me dire que je suis belle? Faut que tu te tires, Antoine, puisque tu sers à rien. Je préfère encore me débrouiller toute seule. J'ai pas besoin d'un incapable dans mes pattes. Porte la poisse, tu fous le bourdon, mais termine ta limonade et dégage! Alors vous apercevez Roberto Fuentes à Califourchon sur sa victime s'apprêtant à la tuer. C'est ça, monsieur le juge. Il se penche sur sa veste et il prend son arme qui était dedans. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il me braque. Il me braque, alors je crie. Lâche ton arme! Lâche ton arme! Il me vise. Je sais qu'il va tirer. Tout est au ralenti. Alors je tire pour l'arrêter. 2 fois. Il a lâché son arme et il est tombé ou il est tombé avec son arme à la main? Il a peut-être fait 1 ou 2 pas en avant de tomber. Je sais plus. Je regardais sa victime et j'avais peur. J'avais peur d'être arrivé trop tard. J'avais peur qu'elle soit morte.